écoute l'actualité de ce mercredi sur Canal 3 Bénin dans ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Mathias Agnon est désormais maire de Dija malgré le boycott de ses pairs conseillers. Élu du bloc républicain préside aux destinées de la commune dirigée depuis 2020 par le désormais député à l'Assemblée nationale Denis Glegueto. La session extraordinaire convoquée par le préfet après l'échec de la première en raison de l'absence des conseillers communaux opposés à son choix, au choix du tout nouveau maire, n'a pas empêché son installation. Au Fonds africain de garantie et de coopération économique, c'est la gouvernance financière qui préoccupe depuis ce matin. Un séminaire outille les banques centrales des quatre zones monétaires du Fagas à Cotonou. Les priorités y sont étudiées, des travaux co-organisés par la direction générale et le Fonds indépendant d'évaluation. Le temps monte chez les acteurs des médias béninois. Ma carte de presse, je l'exige maintenant, est le nom de l'opération que l'Union des professionnels des médias du Bénin lance pour une délivrance immédiate des cartes de presse aux hommes et femmes de presse. Le mouvement adressé à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a été lancé hier à la Maison des médias à Cotonou à la faveur d'une déclaration publique. Quelles sont les actions susceptibles d'améliorer la gouvernance d'une institution financière comme le Fagas? Quels sont les leviers de changement et où faut-il les déployer ces priorités? Ces questions sont au cœur d'un séminaire de renforcement de capacité des banques centrales des quatre zones monétaires du Fagas, Fonds africain de garantie de la coopération économique. Les travaux tenus ce matin à Cotonou sont organisés par la direction générale du fonds et son bureau indépendant d'évaluation. Et ils entendent booster la gouvernance de cette institution. Clément Achadé et Deron Kwevi. C'est un séminaire international d'échange, d'expérience sur les politiques et instruments des banques centrales des quatre zones monétaires d'intervention du Fagas. Une initiative de sa direction générale et du bureau indépendant d'évaluation de l'institution. Une formation dont le principal but est de renforcer la gouvernance de l'institution. Occasion pour les experts conviés et les cadres du Fagas de se familiariser à la réglementation mais aussi la régulation du secteur de la garantie et du secteur bancaire. Le bureau indépendant d'évaluation prend ici une position d'expert praticien de la monnaie et de la finance dans le but de contribuer et à répondre à la question comment faire évoluer la gouvernance au Fagas de façon utile et positive. Nous espérons dans un avenir proche contribuer à l'amélioration de la gouvernance du Fagas conformément à la stratégie que l'institution a adoptée et conformément aussi aux ambitions des États pour rendre cette institution la rendre plus efficace, plus à même de servir l'objet pour lequel elle a été créée, à savoir la contribution au développement économique et social des pays membres, la solidarité, l'échange d'expériences et de savoir-faire. Avec l'évolution dynamique du monde de la garantie, en lien avec le secteur financier, notamment les systèmes bancaires, les différentes instances du Fonds africain de garantie et de coopération économique sont unanimes sur la nécessité de remettre en cause leurs connaissances. Une des premières innovations du Bureau indépendant d'évaluation du Fagas qui entend impacter la performance et la gouvernance de l'institution. La direction générale s'est rendue compte qu'il y avait pas mal de petites choses qui n'allaient pas bien, d'où cette proposition de créer le BIE qui va venir justement renforcer la vision que la direction générale a et aussi que les autres organes ont de cette institution, notamment le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs, principalement sur la gouvernance. Le conseil des gouverneurs a décidé de mettre le Fagas sous une supervision en matière de renforcement de sa gouvernance par les banques centrales. Il s'agit également pour le Conseil de gouverneurs de faire du Fagas une institution moderne, utile pour le financement des économies africaines. Donc ce séminaire international d'échange d'expérience permettra aux experts ou aux directeurs du Fagas de s'inspirer des bonnes pratiques au niveau international des banques centrales et des marchés financiers des pays que nous couvrons. Au cours de cette formation du Bureau indépendant d'évaluation et de la Direction générale, les actions concrètes visant l'amélioration de la gouvernance seront identifiées. Les meilleurs leviers de changement, de même que les priorités en termes de réforme, seront également définis afin d'impacter la gouvernance de l'institution et surtout servir d'exemple en Afrique et dans le monde.
Le renouvellement des cartes de presse des professionnels des médias du Bénin préoccupe leur fêtière. De nombreux professionnels des maisons de presse continuent d'exercer depuis plusieurs mois sans pièce d'identification valide. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication n'a pas encore délivré les cartes de presse en demande pour une première fois ou en renouvellement depuis 2022. L'Union des professionnels des médias du Bénin interpellée est montée au créneau hier pour dénoncer la lenteur notée au niveau de la HAC dans le processus de délivrance de la carte de presse. L'UPMB lance à l'occasion l'opération dénommée « Ma carte de presse, je l'exige maintenant ». On écoute un bout des propos de Zakia Tlatonji, présidente de l'UPMB. La déclaration de ce jour, mardi 4 avril 2023, décidée à l'issue des réunions du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, intervient à quelques jours de la célébration de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans notre pays, en effet, seule la détention de la carte de presse dans l'absolu, confère le titre de journaliste, comme l'attestent d'ailleurs les dispositions de la loi 2015-07 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin, mais également les pratiques judiciaires qui ont conduit, entre autres, notre confrère Ignace Sossou dans les liens de la détention pendant 10 mois à la prison civile de Cotonou, du seul fait de la non-possession de la carte de presse et justifié de nombreuses décisions judiciaires à l'encontre des professionnels des médias. Au regard donc de l'importance de la carte de presse pour l'exercice effectif et sécurisé du métier de journaliste dans notre pays, l'UPMB s'étonne et s'indigne de la lenteur notée au niveau de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le processus de délivrance de la carte de presse, alors que les dossiers ont été déposés dans les délais et que la commission a fini ses travaux depuis plusieurs mois maintenant. Nous sommes conscients de la nécessité de mettre en œuvre des réformes profondes dans le secteur des médias en vue d'un assainissement du secteur. C'est pourquoi nous appelons à la délivrance des cartes de presse pour tous les acteurs remplissant les conditions. Car l'attribution de la carte de presse n'est pas une faveur, mais un droit pour tous les journalistes. Le Bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin rassure les acteurs des médias qu'elle continuera à jouer sans réserve sa partition afin que chaque ayant droit entre en possession de sa carte pour une célébration digne et honorable de la Journée mondiale de la liberté de la presse que la communauté internationale a consacrée au regard de l'importance du travail des médias pour la consolidation de la démocratie et du développement des nations. Dans cette perspective donc, l'Union des professionnels des médias du Bénin lance dès ce jour, l'opération « Ma carte de presse, je l'exige maintenant ». Nous invitons donc tous les acteurs des médias, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant bien entendu par le centre de notre pays, à rester mobilisés afin de faire aboutir notre noble et commune revendication. Et voilà, Zakia Tlatonji, présidente de l'UPMB. Cette information est à la une de ce journal. Dans la commune de Dija, Mathias Agnew succède à Denis Glegbeto suite à son élection à l'Assemblée nationale. Le nom du tout nouveau maire, du tout nouveau locataire, bien sûr, de l'hôtel de ville a été dévoilé cette semaine lors de la deuxième session extraordinaire convoquée par le préfet. La première convoquée pour cause n'a pas prospéré pour défaut de quorum. Mathias Agnew a été choisi par le parti Bloc Républicain, un choix qui n'est pas du goût des autres conseillers communaux du même bord qui ont d'ailleurs boycotté la séance. Les précisions de Imet Hélène Amoussou. Élu député à l'Assemblée nationale lors des législatives du 8 janvier 2023, Denis Glegbeto cède son fauteuil de maire à Mathias Agnew. Le nom du nouveau premier officier municipal de la commune de Dija a été notifié aux conseillers ce lundi 3 avril par le préfet.
vu la lettre numéro 23-065 BR, BP, BEN, SGN, SGA, SAP, SA du 15 mars 2023 du secrétaire général du Parti Bloc Républicain, est constatée la désignation de M. Agnou Mathias par le Parti Bloc Républicain, maire de la commune de Djidja. L'annonce a été faite au cours d'une seconde session extraordinaire convoquée par l'autorité préfectorale à cet effet. Ces assises en vue de porter l'information à l'équipe communale, mais aussi pour assurer la continuité dans la gestion des affaires de la ville grenier du Zou, font suite à une première démarrée le 28 mars et qui a été reportée faute de quorum non atteint. Le quorum n'est pas atteint. Oui, donc c'est ça qui a fait que on n'a pas tenir la séance. Je suis 25 et qu'on a 4, ça veut dire qu'il y a un problème. Ici, sont 25, et ici, c'est le quorum, ça fait 13, je crois, et il n'y a que 4 conseillers qui soient présents. Alors, dans ce cas d'espèce, la loi dit que nous renvoyons la session à la prochaine fois, en tout cas dans un délai de 72 heures, et que à cette nouvelle occasion, que même si le quorum n'est pas atteint, que nous pouvons faire tenir la session valablement. La deuxième session extraordinaire de ce lundi est venue mettre fin au processus de désignation du nouveau maire de Djidja. Elle a connu la présence de 14 élus communaux sur les 25 qui composent le conseil communal. Les grands absents sont les conseillers du Bloc Républicain, le parti majoritaire. Cette attitude des élus frondeurs, compère du nouveau maire, est due, selon ce dernier, à une malcompréhension. Conscient des responsabilités qui lui incombent désormais, Mathias Agnou a promis faire de son mieux. Ce qui se pose aujourd'hui comme problème, c'est au niveau de la hiérarchie. Entre nos leaders, c'est tout. Malgré que nous sommes de la même formation politique, je vais œuvrer, beaucoup œuvrer pour la cohésion. Je dis beaucoup. Moi, je ne pourrais rien faire sans vous. Je ne pourrais pas venir ici voter les choses seules. Donc, sans vous mentir, ceux, ils viennent déjà. C'est une malcompréhension qui est là, qui ne me concerne pas trop. Minorité ou majorité à haut, moi je ne connais pas. Je connais Djidja et tout le monde m'a soutenu. La preuve, pendant tout le temps, on a eu les 25 sur 25. S'il y a un sujet qui fait polémique, on se retire et on trouve la solution. Je demande à mon successeur d'être humble. Choisi par sa formation politique, le Bloc Républicain, pour devenir le maire de la commune de Djidja, Mathias Agnou était précédemment le chef de l'arrondissement de Seto. Installé désormais dans ses nouvelles fonctions, il compte sur l'accompagnement de tous ses prédécesseurs, des membres de l'équipe communale et bien d'autres afin de bien accomplir sa mission. Dans l'actualité judiciaire, le président de la toute nouvelle Cour spéciale des affaires foncières est entré dans ses fonctions hier. Victor Fatidé a été installé par le président de la Cour suprême. La cérémonie d'installation a vu les autorités judiciaires et gouvernementales exprimer toute leur ambition de voir cette Cour juguler au mieux les litiges d'Omanio au Bénin. Une cérémonie tenue à la Cour d'appel de Cotonou. Que je vous déclare, Monsieur Victor Fatidé, installé ce jour, mardi 4 avril 2023, dans les fonctions de président de la Cour spéciale des affaires foncières, et vous renvoie par conséquent dans l'exercice de cette haute fonction. Bon vent à vous. Vous pouvez à présent vous asseoir. La juridiction dont le président vient de prendre fonction est plus qu'attendue. La Cour spéciale des affaires foncières est la seule qui va dès maintenant connaître des questions domaniales et litiges liés aux fonciers. Elle est territorialement compétente dans une région à fort taux de contentieux fonciers que composent les communes d'Abomey-Calavi, Alada, Cotonou, Ouida, Porto Novo, Semepoji et Toribosito. Une mission de taille confiée donc à Victor Fatidé, comme l'ont précisé tous les intervenants à cette cérémonie d'installation. Le premier président est donc en premier lieu un juge nourri de culture juridique, vigilant et exigeant sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats et guidé par cet impératif, rendre une justice humaine et de qualité. C'est donc toujours en juge que vous penserez. Et parce que vos missions au sein de cette Cour spéciale seront, je n'en doute pas, exigeantes et passionnantes, je voudrais me permettre de partager avec vous deux idées forces qui pourraient guider votre action. La confiance et l'efficacité. La Cour spéciale des affaires foncières est appelée à avoir compétence sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant, il est demandé au tout premier président et à son collège une célérité dans le traitement des dossiers déjà existants. Une décision de justice
n'a plus aucun sens si elle intervient des décennies, de très longues années après la saisine du juge. Au demeurant, la raison d'être de votre cour est de tourner véritablement la page, celle des contentieux vieux de décennies qui traînent encore devant les cours et tribunaux de la République. Les attentes de nos concitoyens sont nombreuses et en premier lieu, ils exigent, et ce, à bon droit, de vous et de votre collège, une grande probité procédant d'un sens élevé des règles éthiques et morales, une grande célérité des procédures, mais surtout une impartialité à toute épreuve. Victor Fatidé est magistrat depuis novembre 2005. Ancien conseiller à la Cour d'appel de Cotonou, il a présidé déjà dans sa carrière le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplakwe, puis le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, fonction qu'il occupait depuis le 22 octobre 2019 jusque-là. Un colloque international s'est ouvert en début de semaine avec pour thème métaphysique et gouvernance du monde. Il a réuni des sachants venus d'un peu partout sur toute l'étendue de la planète. Ils ont réfléchi ensemble à la condition de l'humain, de même qu'à la construction d'un monde plus juste. Nagui Balagwe et Henri Ganti pour le point. Métaphysique et gouvernance du monde, c'est la thématique au cœur de ce colloque international. Il s'ouvre ce dimanche à Cotonou et réunit plusieurs dizaines de participants venus de partout enrichir de leurs réflexions ces échanges. Alors nous avons invité à ce colloque qui porte sur une thématique assez rare, métaphysique et gouvernance du monde, des amis, des sympathisants, des chercheurs, des professionnels de toutes catégories. Ce que nous attendons, c'est de pouvoir dégager et présenter ce qui fait risque que court aujourd'hui ce monde. Et nous sommes arrivés aujourd'hui en 2023 à un niveau d'existence même de notre planète qui nous oblige et oblige tous ceux qui sont initiés à réfléchir. Un grand rendez-vous de la pensée abstraite, initié par l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP, qui se donne comme objectif de réfléchir à comment bâtir pour les générations présentes et futures une vie débarrassée de la souffrance, de l'amertume et de la désolation. Je voudrais m'assurer que tous ceux qui sont venus de si loin et de si près partagent non seulement ce cadre conceptuel avec nous, et c'est pour nous une manière en fait de soumettre la critique sur notre cadre conceptuel, mais en même temps, nous savoir capables d'aider ou de contribuer à l'élargissement de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule porte de sortie des décombres et de l'abîme, du gouffre dans lequel on nous a jetés depuis des décennies, des siècles. Je reste confiant que pendant les 3 jours, nous allons pouvoir sortir la meilleure stratégie, bâtir la meilleure méthodologie pour que chacun, une fois retourné dans son pays, soit le porte-flambeau de cette pensée métaphysique. Chez les participants, les attentes sont on ne peut plus claires, que d'ici parte un déclic en vue d'un changement de paradigme. Et la métaphysique est une science d'abord, des sciences, c'est la science des sciences, parce que ça étudie non seulement le visible, mais l'invisible aussi, le visible, le palpable et l'invisible. Donc si les gens sont au courant de ça, je crois que ça va marcher plus. Et si les gouvernants sont au courant de ce que c'est que la métaphysique, il y aura même moins de morts. Ce que j'attends de ce colloque, c'est un monde nouveau, un monde meilleur, un monde dans lequel tous les humains puissent vivre avec la joie au cœur, le bonheur de vivre sa vie, la vie qui nous appartient. Le colloque international de Cotonou comme une amorce qui devra sans relâche se poursuivre bien au-delà de ses 4 murs.
chaque participant se devant à la suite de l'ISEP d'apporter ça et là, sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas que ce colloque qui se poursuit, ce journal aussi suit son cours avec la tournée du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dans les départements. La randonnée entamée depuis quelques semaines l'a également conduit dans le zoo. La rencontre a réuni au lycée technique de Bricamp les principales parties prenantes de l'école dans le but de faire des échanges pour discuter directement avec ses acteurs en vue de se faire une idée précise des prouesses réalisées, des difficultés et des défis à relever. Les précisions de Imet Hélène Amoussou. Face au ministre Yves Kouarou-Tchabi et les membres de son cabinet, les principaux acteurs des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle dans le zoo, cette rencontre avec les enseignants, parents d'élèves, partenaires sociaux ainsi que les acteurs du secteur privé s'inscrit dans le cadre de la tournée entamée par l'autorité depuis quelques semaines. L'objectif visé est d'échanger directement avec ces derniers en vue de se faire une idée claire et précise des prouesses réalisées, les goulots d'étranglement, les défis à relever, de même que les problèmes à régler. Malgré les problèmes particuliers de notre département, le jour fait son petit bonhomme de chemin et fera votre fierté encore cette année. Le rassemblement a connu la participation des acteurs cibles venus de toutes les communes du département. Occasion de saluer les avancées enregistrées grâce aux efforts de l'exécutif, les échanges ont aussi permis d'attirer l'attention du ministre et des membres de sa délégation sur certains maux qui entravent encore l'évolution du secteur. Aujourd'hui dans le zoo, monsieur le ministre, à part les conseillers pédagogiques, les administratifs et les professeurs DPS, nous ne pouvons pas compter plus de 15 professeurs certifiés. Pour 89 collèges, dont plus de 50 à ce jour-ci. Dans le zoo ici, nous avons des collègues qui, depuis 20 ans, n'ont connu aucun avancement ni reclassement à cause de certains problèmes liés à leur carrière. Notre troisième préoccupation est réelle et relative au paiement des rappels des enseignants qui en ont droit. Monsieur le ministre, nous vous demandons de plaider pour le cas des enseignants du jour que nous sommes. En réponse aux diverses doléances formulées, le ministre a rassuré. Rassurez-vous, il y a de bonnes choses, il y a de bonnes nouvelles qui se pointent dans un proche avenir. Et nous travaillons déjà là-dessus. Nous voulons que nos enfants aient toute la formation et la bonne formation requise pour qu'ils soient compétitifs aussi bien dans nos communes, aussi bien au Bénin que dans la sous-région et à l'international. Je voudrais très humblement renvoyer chacun de nous à son devoir de manière à ce que, dès que nous allons nous retrouver en fin d'année, nous puissions tous célébrer notre victoire. Achevé sur une note de satisfaction chez toutes les parties prenantes, le rendez-vous a une fois encore permis à chacun de prendre des engagements. Du LITEB, la délégation ministérielle a mis le cap sur le collège d'enseignement général de Gouro, puis le centre de formation professionnelle de Covey. Les descentes tiennent lieu de visites de terrain. La communauté internationale a célébré en début de semaine la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Pour le commun des mortels, l'autisme est une maladie, ce qui n'est aucunement vrai. Que comprendre donc de l'autisme, les manifestations chez les enfants et la perception de la société en général nous sont ici proposées par Wiliad Sanoussi. Les enfants autistes sont tout comme les autres enfants qui ont des besoins fondamentaux. Et pour leur permettre de s'épanouir, il faut une prise en charge, un accompagnement et un suivi rigoureux. Ce qui nécessite des spécialistes, notamment le nutritionniste, pour qui l'enfant autiste a besoin d'une alimentation saine et nutritive. Ils n'ont pas réellement la communication qu'il faut avec les parents pour pouvoir identifier quel aliment l'enfant préfère. Donc déjà, ici, nous allons préférer des aliments qui interviennent dans le développement cérébral, comme les aliments riches en oméga-3, riches en choline. Nous pouvons avoir le poisson, des noix, nous pouvons avoir les noix de cajou, de l'arachide, tout type de noix que nous avons. Mais j'insiste également, il ne faut pas, il faut considérer la tranche d'âge de vos enfants avant d'introduire ces aliments-là. Tout comme le nutritionniste, le rôle de l'orthophoniste auprès de l'enfant autiste se focalise principalement sur la communication. Ainsi,
L'orthophoniste, en travaillant, intervient sur le comportement et les interactions sociales. Et cette communication passe par la restauration des bases de la communication, telles que le contact visuel, quelque chose qu'on n'observe pas souvent chez les enfants autistes, les tours de rôle, les tours de parole, le pointage, l'attention conjointe. L'orthophoniste dispose d'outils qui permettent d'amener les enfants à développer ces capacités communicationnelles. Une fois que ces capacités communicationnelles sont mises en place, alors l'enfant fait une avancée vers le langage. Et donc, on passe de la communication au langage. Et grâce à la rééducation orthophonique, l'enfant autiste peut développer aussi bien les mots, puis commencer par faire des phrases et commencer par interagir et parler avec son entourage. L'enfant autiste a également besoin de jeux pour son épanouissement. Cela fait appel dans ce cadre à un récréologue qui s'occupe de tout ce qui est loisirs au niveau des enfants, jeunes et des personnes âgées. Avant de pouvoir proposer un jeu à un enfant à cette différence-là, il va falloir observer l'enfant dans son environnement, dans son monde et détecter son besoin. Et c'est en fonction du besoin qu'on peut maintenant proposer à tel enfant tel ou tel jeu. Maintenant, de façon générale, les enfants autistes sont ces enfants-là qui aiment jouer avec tout ce qui est eau. Donc, des jeux avec l'eau et les parents qui doivent effectuer un suivi avec ces enfants-là. Des jeux de grimaces, de mimiques avec des miroirs, des jeux de lancer pour pouvoir travailler l'adresse et tout ce qui est sensoriel au niveau de l'enfant. Donc, des jeux d'adresse, des jeux de lancer, des jeux de course. Et surtout, ne pas perdre l'objectif qui est d'intégrer le monde de l'enfant. Et beaucoup font de l'erreur, je dirais, de sortir l'enfant de son monde pour pouvoir le faire adapter à tel ou tel jeu. Mais c'est quelque chose qui est vraiment une erreur que nous, parents, nous, accompagnateurs, nous commettons. L'éducateur spécialisé, quant à lui, accompagne l'enfant autiste à travers un projet de vie qui s'élabore et prend en compte ses besoins sur le plan éducatif, en vue de le renforcer en termes d'aptitudes spécifiques. L'éducateur spécialisé joue un rôle d'accompagnement éducatif pour pouvoir quand même permettre à ses enfants de pouvoir lire, écrire, comprendre et puis être accepté dans le milieu familial, scolaire, dans leur communauté. L'enfant, 5 ans d'accompagnement, 10 ans d'accompagnement, donc ça prend du temps. C'est un travail où le résultat ne s'observe pas de si vite. En somme, les différents professionnels ont un rôle très important à jouer dans le développement de l'enfant autiste. Par ailleurs, il se développe aujourd'hui beaucoup d'autres pathologies qu'on peut confondre à l'autisme. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des troubles du spectre autistique. Et donc, dans cette catégorie de troubles du spectre autistique, vous pouvez retrouver des enfants hyperactifs, des enfants TDAH, qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous pouvez aussi retrouver des enfants qui ont des syndromes particuliers. Il y a d'autres formes de troubles qui sont semblables à l'autisme, notamment la forme d'autisme retrouvée chez des enfants qui sont exposés aux écrans. La particularité dans cette forme d'autisme, c'est que lorsque on commence la prise en charge orthophonique, notamment précocement, le comportement des enfants s'améliore et les troubles disparaissent dans les mois. Voilà. À ne pas confondre avec l'autisme de Kanner. Le message, c'est de pouvoir quand même dire à des parents d'enfants autistes d'avoir le courage de se rapprocher de nous et ensemble, nous pourrons les orienter à faire d'abord des analyses. Et quand on pourra définir les analyses, nous pourrons ensemble avec les spécialistes dire oui, l'enfant a une différence qu'on appelle l'autisme. Et face à cela, après, on pourra travailler ensemble. Nous leur demandons de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de pouvoir sortir avec les enfants. C'est en sortant même qu'ils pourront sensibiliser les autres parents. Et ça va pousser les autres parents à dire, alors, si telle personne est dans le cas et qu'il a la liberté de sortir avec son enfant, alors là, je ne vais plus cacher mon enfant. Puisqu'il y a plusieurs enfants qui sont enfermés, qui sont laissés pour compte, il n'y a pas l'entretien. La Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme est donc l'occasion d'en appeler à une prise de conscience des uns et des autres.
Oulia Tsan aussi dans le rôle des spécialistes pour la prise en charge de l'autisme. J'espère que vous avez retenu que c'est une différence et non une maladie. Merci de suivre le programme sur Canal 3 Bénin.